Nous y sommes. Les premières hausses pointent le bout de leur nez en ce mois de février. En effet, les barèmes bancaires montrent que certains établissements relèvent leurs taux. Les taux moyens s'établissent ainsi à 0,95% sur 15 ans et 1,10% sur 20 ans. Quant aux meilleurs profils, ils peuvent toujours emprunter à partir de 0,50% sur 15 ans et 0,65% sur 20 ans. Notre exemple du mois montre qu'emprunter 200 000 euros sur 20 ans au taux du marché actuel vous coûte 2148 euros de plus que si vous aviez souscrit le même crédit il y a un mois. Au niveau des mensualités, cela représente une hausse de 9 euros par mois. Les tendances du mois. Vous l'aurez compris, les taux reprennent le chemin de la hausse. Ils augmentent de 15 centimes en moyenne, toutes durées confondues. Par ailleurs, certaines font le choix de conserver des barèmes stables et une banque partenaire affiche même des taux en baisse. Si certaines banques relèvent leurs taux, c'est en partie dû à l'inflation, mais aussi à la hausse du taux du livret A ainsi que celle des OAT, qui rappelons-le servent de référence aux banques pour établir leurs taux fixes. Nos conseils en ce mois de février. À chaque hausse des taux ou resserrement des conditions d'octroi, le maître mot pour un projet réussi est de calculer sa capacité d'emprunt. Cette étape essentielle vous permet de vérifier la faisabilité de votre projet. Et même si les banques réajustent leurs taux immobiliers, une chose est sûre, elles restent toujours ouvertes au financement. Mais pour obtenir un crédit, préparer son projet en amont est plus que jamais essentiel. Un courtier peut vous aider à optimiser votre dossier grâce à ses connaissances fines du crédit. Il vérifie notamment votre éligibilité au PTZ, dont la production a repris. Nos courtiers vous conseillent et obtiennent pour vous les meilleures conditions. Profitez-en! À bientôt sur empruntis.com.